Coucou YouTube, j'espère que vous allez très bien. Et oui, ça fait un bail que j'ai pas posté de vidéo. Et évidemment, je vous dois des explications. Pour ceux qui me connaissent, à la base, je suis pas un YouTuber. Je suis pas un créateur de contenu, je suis entrepreneur, je fais des e-commerce. The world is ours, me and my brother twin like the towers, and we want it now, never later, no more favors, done with all these traders who be haters on the low, they just hate. Si vous voulez plus de détails sur moi, il y aura juste mon compte Instagram jusqu'ici, et vous pouvez aller checker et voir mon parcours complet sur Instagram. Et pour ceux qui le savent déjà, ces derniers temps, il y a une période qui vient de passer, et cette période, on appelle ça le Q4. Le Q4, c'est une période spécialement dédiée pour les e-commerçants, une période dans laquelle on fait plus d'oseille, une période dans laquelle on fait énormément d'argent. Et l'erreur que la plupart font, c'est qu'ils croient que le Q4, c'est dans le mois d'octobre, le Q4, c'est dans le mois de novembre, le Q4, c'est dans le mois de décembre. Alors que ça, c'est complètement faux. Le Q4 commence bien avant ça, surtout si vous êtes débutant et vous voulez profiter du Q4, il faut commencer à tourner votre boutique bien avant, parce que le Q4 c'est pas fait pour les débutants, le Q4 c'est pas pour ceux qui viennent de commencer l'e-commerce. Ok, pour pouvoir traverser cette période avec plus d'énergie, moi-même j'ai commencé à tourner ma boutique depuis le mois de juillet, alors que je suis pas débutant. Pour ceux qui me connaissent bien, je faisais l'e-commerce depuis 2021. Ok, je suis pas débutant. Et pourtant, j'ai commencé à tester le produit que je dois lancer dans le Q4. J'ai commencé à le tester depuis le mois de juillet, ok? Et ça me permet d'analyser un peu la boutique en avance, de voir ce qui ne va pas. Donc, si vous voulez profiter du Q4, c'est exactement comme ça que vous devez procéder. Donc, voilà la raison principale de ma disparition sur YouTube, ok? Parce que évidemment, il faudrait que je me concentre sur ça. Il faut que je me donne à fond. Je peux pas faire les deux à la fois. Je peux pas être en train de poster des vidéos et en même temps de bosser sur ma boutique en ligne. Ok, laisser YouTube de côté et me concentrer uniquement sur ma boutique aussi, ça n'a pas été facile, parce que l'e-commerce est loin d'être un business en ligne. L'e-commerce, c'est l'ensemble de business en ligne. Ok, et si vous êtes un e-commerçant, vous êtes déjà copywriter, ok, vous êtes déjà créateur de sites internet, vous savez déjà faire de la publicité, ok, vous savez déjà créer du contenu et tout ça. Donc, il y a tout ça qui est regroupé dans l'e-commerce, ok. Donc, je vais commencer à poster régulièrement des vidéos. Donc, ce serait chaque semaine, ok, et je vous dévoilerai toutes les stratégies cachées dans l'e-commerce. Je vous mettrai même une capture des chiffres que j'ai généré ces 5 derniers mois. Donc, je vous mettrai ça ici, non, ce serait ici. Et vous allez voir, l'e-commerce c'est un business qui peut vous permettre de gagner des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, pour toutes les vidéos qui vont venir après, ce seraient des vidéos spécialement dédiées pour le e-commerce, ok? Donc comment créer une boutique Shopify, comment faire de la publicité Facebook, comment faire le copywriting. C'est très important. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez bien que j'aime ça. Le copywriting, c'est 90% de votre site internet, ok? Donc c'est basé sur ça, parce que lorsque vous arrivez à tirer du trafic sur le site internet, il faut évidemment retenir les clients, il faut pousser les clients à passer à l'action, il faut convertir les clients, c'est très important. Donc on va voir tout ça dans les prochaines vidéos qui vont venir, ok. Donc ce serait une formation ultra complète en e-commerce. Donc je vois pas ça encore sur YouTube, parce que quand vous allez chercher sur YouTube créer une boutique e-commerce, faire de l'e-commerce, faire du dropshipping et tout ça, ce serait des vidéos de 30 minutes au plus d'une heure que vous allez voir, alors que ça, c'est très insuffisant. Donc, tout ce qui se passe dans l'e-commerce, on ne peut pas vous le dire en une heure de temps. Donc, ce serait une série de vidéos que je vais faire et qui vont venir, ok? Donc, et ce sera une formation ultra complète qui sera disponible sur cette chaîne, ok? Donc si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire, parce que tu vas pas louper ça, pour moi. Donc ce sera une dinguerie, on va le faire et puis vous allez apprécier, ok? Donc tout ce qui se passe dans l'e-commerce, on peut pas le dire en 30 minutes, en une heure de temps, ok? Comment créer une boutique, comment faire le copywriting, comment rechercher les images, comment faire la recherche de produits, comment faire les tests publicitaires, comment faire des miniatures, comment faire la publicité, comment faire de l'analyse au niveau des testing, comment passer des testing au scaling et tout ça.
On ne peut pas dire tout ça en 30 minutes et on ne peut pas les dire en une heure. Okay? Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une formation ultra complète. Ce sera gratuit, okay? Sur ma chaîne YouTube ici. Donc, et les vidéos seront classées par catégorie. Okay? Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et jusqu'ici, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!